Et yo tout le monde, 50 à 24, et on se retrouve pour la vidéo nuit des 24, les 22h à Cambon. Et quelques minutes évidemment, mais bon. Donc le concert là-bas bat son plein, tout va bien. N'oubliez pas, dans cette vidéo, je vais aller à un emplacement très précis qui s'appelle la Grande Roue. Je vais vous faire un aveu. Vous avez vu, j'ai mis deux vidéos, un pour l'arrivée du drapeau, quand les avions sont arrivés, et après. Mais parce que je suis sur la wifi du circuit, et que ça coupe à tout le monde. Et c'est ce qui s'est passé aussi aux essais qualifs, hein. Non, aux essais libres. Si j'en ai envie, je ferai un like, mais je sais pas comment on fait. Enfin bref, mettez la vidéo pas trop forte pour vos oreilles et écoutez le concert là-bas. Voilà, j'arrête là, ne repartira pas. On peut donc être à ce vous avez vu, les Toyota ne se quittent pas. Ils se battent à coups de seconde, mais je pense qu'ils ont comme consigne d'équipe de ne pas s'accrocher. La 11, elle est repartie. Mais entre temps, il y a la Bikeless numéro 4 qui a crashé, qui a dû abandonner. Il y a eu l'Aston 98 qui était dans le mur tout à l'heure, il y a à peine 10 minutes. Et je la vois pas là, donc elle est dans son stand, je le sais, mais... Je sais pas si elle est rentrée là. Bon, si je devais faire un classement dans les GT, Porsche, ils sont en train de dominer, ils ont mis les trois Porsche en trois premières places. Hein. Sauf que, sauf que Porsche a perdu quand même une voiture, hein, la 94 qui s'est arrêtée dans son box, je sais pas pourquoi. Et en GTA, bah c'est encore une Porsche, hein. Bah on change pas une équipe qui gagne. Hein. Je crois que c'est celle de Patrick Dempsey qui est en tête. Ouais, la deuxième, je suis sûr. Stop.
MP2, bah... Bon, l'MP1, on sait que c'est les deux Toyota devant, et... La 7 devant la 8, et puis il y a la 7 qui est à 2 tours derrière. Voilà. L'avantage dans le tour précédent sur la BR Engineering numéro 17 désormais elle en 4ème position. Alors que sur la... Ça envoie du lourd là-bas. Et BMW a vachement caché son jeu, puisqu'ils sont dans le jeu. Quand même qui est deuxième en GTA. Bon. Ensemble, hein. Ceux qui te parlent. La Toyota de 7 G-Drive, leader Jean-Éric Vergne est à la 6ème place avec la numéro 26 Oreca G-Drive. Nous allons également partager avec le coordinateur d'équipe et Andrea Solna. Bon allez, on va se retrouver plus loin. Oh.
Thank you.
portable qui est flou de temps en temps, mais c'est parce qu'il y a... Ah, vous voyez, il y a les phares qui nous éblouissent. Bon allez, on va se retrouver plus loin. Regardez-moi tout ce monde là. Et le concert il est plein à craquer. Mais bon, on se retrouve à l'emplacement que j'avais décidé. Ouais. Bien un peu flou de temps en temps. On retrouve ce qui s'est passé, la 35 qui bat du sable et roule la voiture avec un trajectoire. Yeah!
Il bat son plein. Nicolas, mettre le classement. Trop slow. Okay. Vous voulez voir si on voyait le classement, mais bon, tant pis. S'il est en 7ème position, il va vite. Et Jean-Éric Vergne, du coup, ceci étant, ces derniers tours ont avantage pilote alpine. Nicolas, okay, ils sont pas dans le coup du tout. Ils vont peut-être dans la catégorie FP2. Elle a dû s'arrêter avant. Termine à la fin.
grave, l'heure est venue en tout cas de remettre une photo dans le réservoir. Pour la 7ème position, du classement du GTO. Bon, la dernière va rentrer là, ça y est, c'est bon. Et je sais pas laquelle c'est, je suis beaucoup trop loin pour voir les numéros. Ça sent la crevaison par contre. C'est sûr que Bruno l'a dit, mais je ne l'ai pas entendu. On va bientôt se retrouver à la grande.